Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'acheter des objets à des personnages. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des personnages de Fortnite du chapitre 3, saison 1. Alors pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller vous rendre près de ces personnages et acheter des objets. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre près du personnage qui se trouve juste ici sur la map. Donc voilà, plus ou moins ici. Et je vais tout simplement aller lui parler. Et en fait, ce que je vais devoir faire, c'est de lui acheter des objets. Alors bien entendu, là je suis en mode créatif pour vous montrer le défi, donc je n'ai pas d'or et je ne pourrai pas lui acheter d'objets. Mais regardez, quand vous allez parler à un personnage, il va vous vendre des objets. Donc là il me vend un fusil sniper, là je peux le recruter, je pense que si vous le recrutez ça ne compte pas comme un objet, mais vous pouvez toujours essayer. Si bien entendu vous essayez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et là je peux acheter un objet, donc l'objet ben, je ne sais pas c'est quoi parce que je suis en mode créatif. Donc n'hésitez pas à regarder près de chacun des personnages, comme je vous ai donné une petite map avec tous les emplacements des personnages, vous regardez s'ils vendent un objet, achetez bien entendu l'objet le moins cher, et ce que vous allez devoir faire, c'est d'acheter trois objets, enfin un objet à trois personnages différents. Alors je ne sais pas si ça fonctionne d'acheter trois objets à un seul personnage, vous pouvez toujours essayer, si vous essayez que ça fonctionne, ben, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourra aider la communauté, ou sinon ben vous cherchez après trois personnages différents et vous achetez un objet à chacun des personnages. Et quand vous aurez acheté un objet à trois personnages différents, ben vous aurez terminé le défi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolmec et ciao. Peace. Yannick, bro.